Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour un Carton Rouge le mag exceptionnel. Une émission exceptionnelle, on est en pleine forme les amis, je vous garantis que c'est une émission qui va déménager. Vous n'êtes pas prêts en fait, vous n'êtes pas prêts parce que tout le monde est au top et tout le monde, c'est les 4 chroniqueurs qui sont là. Alors moi je vais pas me présenter, mais je vais vous présenter les 3 autres chroniqueurs. On commence avec celui qui a mis son maillot vert, celui qui a mis son logo Info des Verts, monsieur Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Bravo. Bravo. Salut Flavien. Bravo pour le montage. Ouais, c'est magnifique, le chaudron est plein derrière toi. Il est plein. Il est plein, il est plein. Alors que celui de Franck, c'est ça qu'on comprend pas derrière Franck. Il est à moitié vide, Franck. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chaudron est vide derrière toi, Franck? Parce qu'il est en train de se remplir tout doucement et vous allez voir, il va se remplir à 40 000. Ok. Ah bah oui, parce qu'en plus, on voit derrière toi que les joueurs sont en train de s'échauffer. Donc le match n'a pas commencé. C'est tout s'explique. Ça y est, on est content. D'ailleurs, la pelouse n'est pas tout à fait de la même couleur entre vous deux. Hein. Celle de Jean-Baptiste est un peu plus pâle. Tu vas bien, Franck? Ça va, et ben, je suis content d'être avec vous et puis avec tout le peuple vert. Qui est là, plaisir partagé, plaisir partagé. Le dernier, il est en haut, il est là, c'est Franck, c'est Thomas. Putain, salut Thomas. C'est Tom. Salut bonsoir Thomas. Bonsoir, peuple vert. Alors moi, je vous explique, je suis dans la salle de massage, dans les vestiaires. Il y a Waji qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Vous allez bien les gars? Flavien, Gislaine m'a demandé de m'assurer que tu aies bien passé l'aspirateur. C'est fait. Est-ce que vous vous souvenez de Forissier? Ouais. Pourquoi? Oui. Hein, le kiné qui a été très 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 longtemps le kiné de la Saint-Etienne. Oui, bah, c'est Wadji qu'on aurait bien besoin. Bon, salut à tous les amis, vous êtes très nombreux. Il y a Philippe Chompton qui est là, bonjour à tous. Salut Philippe, il y a Yannick Goulet, il y a Eric Legendre, Alexis Gardet, il y a Lilian 4263, il y a Sydney qui est là, Thierry Le Sage. Salut Thierry, il y a Dan Rod qui est là, Fanatic Stéphanois 42, Michel Raffin. Qu'est-ce qu'il y a Ghislaine? Franck et Thomas, on les entend pas très bien? Franck et Thomas, on les entend pas très bien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'arbitre? Je ne sais pas ce que je peux faire, moi, pour monter le son. Je ne sais pas ce que je peux faire. Monter le volume. On va parler fort, Thomas. Je ne sais pas. Je peux un peu pousser sur ma mixette, là. C'est un peu mieux sur 11. Mais quand je vois le micro de Thomas, je me dis que ça vient de la technique, ça vient pas de l'appareil. Ça a l'air d'être bon, là, j'espère. On pousse Thomas, on va pousser. Un coucou à Ghislaine, salut de Montréal, salut Lucas. Bon, salut à tous les amis, je suis désolé, je vais pas tous vous citer parce que sinon on y passe la soirée et comme on a plein de choses à se dire, voilà, il faut qu'on fasse ce mag, il faut qu'on avance. 3 parties dans cette émission. Une première partie qui sera consacrée au titre de l'émission Direction la Ligue 1, point d'interrogation. On va parler de la fin du championnat, on va parler des barrages éventuels, on va parler d'Angers, bref, on va faire un peu le point sur la situation de la SS à 8 journées de la fin. La deuxième partie, c'est le match de demain. On va parler du match face à Concarneau. Le stade est plein, il y a plein de choses à dire. Voilà, le groupe est sorti, il y a des absents. C'est la première fois d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les copains, vous m'arrêtez si je me trompe, mais qu'on fait un mag la veille d'un match comme ça. Ce qui veut dire que d'habitude, on le fait plutôt à 2-3 jours d'un match. Donc là, on est vraiment à la veille du match. Donc l'actu, c'est demain. Toi, Franck, tu seras au stade. Moi, je ne pourrai pas y être. Donc on parlera de ce match. Et puis dans la troisième partie, on parlera un peu de l'actu en bref, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire sur l'actu de l'AS Saint-Etienne. Et puis on terminera avec nos cartons rouges. Et nos cartons verts. J'espère. Eh oui, il y a Christine qui est là. Si, on l'entend bien. Merci Christine, merci beaucoup. Elle est là, Christine, c'est tout. Salut à Dan Rod qui dit salut Jean-Baptiste, salut Franck Thomas, salut à tous les amis. Allez, on commence tout de suite. Salut les copains. Salut, on va commencer, les amis. On n'est pas là. Vous croyez qu'on est là pour se marrer, mais pas du tout. Pas du tout. Première question, les amis, c'est oui, non, vous connaissez le principe. Et je pose la question au chat, puisque tout le monde participe à cette émission. La montée directe. Est-ce que vous y croyez? La montée directe, je pose la question. Hop là, montée directe, oui, non, vous mettez oui ou non. On commence avec toi Jean-Baptiste. Est-ce que tu crois à la montée directe? Est-ce qu'on va finir deuxième? C'est oui ou c'est non et après on explique. Ah, c'est oui, bien sûr. C'est oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Allez Franck, à toi de jouer. Franck, est-ce que tu crois à la montée directe? Oui, archi oui, archi oui. Oui, 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 oui. Thomas? Non, il va dire non. Alors oui, 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 on va monter, mais il ne faut pas le dire. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Ghislaine? Je me fais engueuler par Ghislaine, j'arrête pas de prendre des scores. Je demande au chat de mettre des cartons à Ghislaine. Le carton jaune pour Ghislaine, parce que soi-disant que je vous laisse pas le temps de répondre et que je vous coupe la parole et que je parle trop. Non, mais le chat, s'il te plaît, des cartons jaunes pour Ghislaine. On travaille dans des conditions très difficiles. Ouais, donc tu y crois aussi, Thomas? Il ne faut pas le dire. C'est un secret, ça restera entre nous. Il y a beaucoup d'enflammades. On va en parler. Moi aussi, je crois à la montée au direct. Et vous aussi, vous êtes quasiment 90% à y croire, 86%.
On en parlait peut-être tout à l'heure, Thomas, ton sentiment, c'est que quand même, là, on est dans une euphorie totale. On manque peut-être un peu de lucidité par rapport à tout ça. Oui. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que avant notre dernier match, avant notre dernière victoire, j'avais vu une petite vignette sur Peuple Vert, ouais. Et qui, avec une citation d'Odo, ouais. Qui se projetait avant même d'avoir joué avant que la journée ne se soit faite dans son intégralité, se projetait déjà sur une deuxième place et en disant si on est second, si on est deuxième, on se mettra à chasser à Auxerre. Et là, je me suis dit, c'est pas bon du tout. Parce que déjà, avant de penser à ça, fais en sorte d'être deuxième. Et je suis désolé, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et puis, c'est pas bon, je trouve. J'ai essayé de me souvenir. Souvenez-vous, quand on avait eu Dupraz. Oui, je m'en souviens très bien. Qui était venu avec son équipe vidéo, là. Qui avait filmé, qui préparait une cassette, qui préparait une cassette, bon, ça c'est les DVD, vous arrêtez, ouais. Alex. 1953, la cassette vidéo de Pascal Duprat va sortir. C'était les yeux, c'était pas les yeux dans les bleus, c'était les yeux dans les verts qui nous préparaient. Et c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et je crois qu'il y a. Je me suis plus souvenu de l'anecdote précise, il mais je crois qu'il avait dit quand on sera maintenu, j'irai regarder le match dans le Kop Nord. Voilà ce qu'il avait dit en conférence de presse. Voilà. Et donc pour moi. Et ça n'a pas marché. Ouais. C'est vrai qu'il est en train de me couper depuis tout à l'heure là. Je parle, il me coupe. Mais j'y suis. Non, mais Thomas, c'est les excès. Les excès. Oui, mais il a corrigé le tir hein, au dos. Hein. En conférence de presse, avant match, il a dit non, on n'est pas du tout invincible. Il faut que tout le monde reste concentré. Franck, est-ce que tu crains un peu cette euphorie? Non, faut pas la craindre. Il faut. Non, faut pas la craindre. On en a besoin maintenant. Ce qu'il faut, c'est que on fasse pas les 8 dernières journées avec cette sorte de certitude qu'on va monter. Il faut. Là, je crois qu'Odo est revenu sur ses propos. Il a recalmé, il a recadré. On a quand même la deuxième mi-temps de Valenciennes qui est mauvaise. Donc voilà, on retrouve aussi du réalisme. Thomas vient de l'aborder en disant attention, raison gardée, il y a encore 24 points en jeu hein, sur la pelouse. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Lionel Gutiérrez qui dit bon, je viens d'arriver, je pense à la montée directement. Oui, n'oublie pas de liker la vidéo, comme vous toutes et tous, hein, on est quasiment 175 en direct, donc n'oubliez pas de liker. Bravo. La vidéo. Et il y a Fanatic Stéphanois qui nous dit on est trop costaud pour ne pas finir deuxième, on sera récompensé de nos efforts et on montera direct. Jean-Baptiste, c'est ton sentiment et cette ouais. Euphorie qui a quand même des côtés positifs, hein. C'est que l'euphorie, elle fait ouais. Revenir beaucoup de monde au stade. Finalement, c'est pas un risque pour toi, à tes yeux? Bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit lors du précédent MAG, où déjà on se posait cette question. Et de mémoire, il me semble qu'on était déjà plutôt optimiste, mais on était quand même un petit peu plus réservé. Là, on est quand même sur une série de 7 matchs sans défaite. On a marqué 17 buts, on en a encaissé 1. J'ai envie de dire, si on n'est pas sur une... Si on n'a pas cette euphorie-là, la dynamique peut s'enrayer, peut s'arrêter. Moi, je pense que tant qu'on est comme ça sur une dynamique positive, alors certes, tu le disais tout à l'heure, la deuxième mi-temps, la deuxième période à Valenciennes n'est pas la plus belle qu'on a réalisée, mais on a gagné 2-0 et on reste encore sur un élan de victoire. Moi, je pense, alors après, Odo est revenu un petit peu sur ses déclarations, mais je les trouve pas insultantes et je les trouve pas irréalisables dans le sens où on est là, Saint-Etienne, on est ici sur une des meilleures séries depuis au moins 2-3 ans. Là, c'est quoi, 7 matchs sans défaite? C'est ça, 7 matchs sans défaite, c'est ça, ouais. Avec un nul face au PFC. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Donc j'ai envie d'y croire et surtout j'ai envie d'être euphorique. J'ai envie de rêver. On va avoir un stade qui va être rempli à quasiment 38 000 supporters encore demain. Enfin, on est en Ligue 2. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu des chiffres. Il y a l'engouement qui renaît. Il y a les médias qui commencent à reparler de Saint-Etienne, ah, mais ça, les pas supporters très... sur Twitter. Ouais, mais comme le disait Thomas, il faut pas trop le dire, quoi. Tu vois, enfin, que les supporters soient là, mais il faut pas non plus oui. Que ça tourne la tête aux joueurs, quoi, parce que c'est ça un peu le risque, en fait. Et le risque, c'est que si on perd un match ou si on fait un match nul, tu vois, qu'on est le contre-coup d'un. Enfin, là, c'est le boulot de Odo, en fait, de maintenir le groupe un peu les pieds sur terre, sans que tout le monde s'enflamme. Mais c'est pas un exercice facile, hein, je pense, pour lui, hein, parce que la passion est là, hein, et il y a beaucoup d'enthousiasme. Je vous propose, les amis. Bah, oui, vas-y, non, vas-y. Tu as Thomas. Raison de le dire, parce que je suis sur. YouTube, tu fais bien de le dire parce que sur YouTube, je suis un YouTuber auvergnat qui a une chaîne sur la SS
le gars, il est dans l'enflammade totale. Il a perdu le minimum de lucidité, quoi. Donc, il faut vraiment que des gens comme ça se calment un peu. Ouais, mais depuis Jean-Louis Gasset, on n'a pas connu cette période de jouissance. Et Jean-Louis Gasset, ça commence à dater maintenant, Jean-Louis Gasset. C'est la... on a le droit de s'enflammer un peu, mais, ouais. mais il faut rester lucide. T'as le mauvais supporter. Le mauvais supporter. Il est là, tu vois. Il s'enflamme. Mais il s'enflamme, tu vois. Il s'enflamme complètement. Tandis que le bon supporter, il s'enflamme, mais il s'enflamme aussi, pas pareil. Mais... il s'enflamme. Bon, les amis, juste par rapport au classement. Donc, vous le connaissez le classement. Je le redis quand même rapidement. Je ne mets pas l'écran, mais on est troisième. On est à 2 points derrière Angers. Auxerre à 58 points. Est-ce que vous considérez que Auxerre est hors de portée? Est-ce que Auxerre est champion ou Auxerre n'est pas si loin que ça? 7 points d'avance, ça me paraît beaucoup. Plus 26, la meilleure attaque. Enfin, je crois qu'ils sont vraiment très au-dessus. On est d'accord avec ça? Oui. 7 points à reprendre en 8 journées, non, c'est pas possible. Ok, donc nous, on va se concentrer sur Angers. Donc, il y a Angers qui était sur une série un peu intermittente, mais qui vient de remporter un match à l'extérieur face à Concarneau 4-2, après avoir été mené 2-0. Donc, ils ont les ressources morales. Attention, Angers qui va recevoir Laval. Donc là, on regardera ce match parce que Laval est 3 points derrière nous. Et en direct, alors, juste par rapport aux équipes qui nous poursuivent derrière, moi, j'ai une équipe qui, je ne veux pas dire qu'elle me fait peur, mais en tout cas, que je crois être celle qui est la plus en forme du moment, c'est Rodez. Une très bonne série, étonnante. Hein, ils sont là sur les 5 derniers matchs, sur 3 victoires, 2 matchs nuls. Ils remontent, ils sont à 46 points. Ils croient vraiment au play-off. Et en plus, on va jouer contre eux. Donc attention sur Rodez. Sur le calendrier, qu'est-ce que vous pensez de calendrier? Alors, demain, Concarneau, on en parlera tout à l'heure. Mais après, on se déplace à Ajaccio, on va recevoir Bordeaux. Je vous rappelle un peu les principaux matchs qu'on aura. On ira à Grenoble. Ça, ce ne sera pas très facile. On va recevoir Caen le 27 avril. On se déplacera à Guingamp le 4 mai. Et après, on aura le match face à Rodez. Donc, l'avant-dernier match. J'espère qu'il ne sera pas décisif, celui-là. Et après, on termine à Quevilly-Rouen. Qu'est-ce qui t'inspire ce calendrier, Franck? Qu'est-ce qui t'inspire-t-il? Je l'ai pas étudié de manière scientifique, mais de ce que j'ai calculé, regardé, appréhendé, au soir de la 35e journée, quand on aura joué chez nous Caen, et quand Angers sera revenu du Paris Football Club, je pense que ça sera figé. Parce que les 3 dernières journées, je pense qu'il ne se passera pas un miracle ou au contraire un désarroi. Je pense que ça va nous figer la 2e et 3e place, et la 4e, au soir de la 35e. Voilà mon premier calcul. Et je veux surtout ajouter un point, et tu viens, tu as dit le mot là, il y a quelques instants, tu as parlé de mental. Oui, parce que maintenant, ce qui se joue dans les 8 dernières journées, ce n'est pas l'effectif, ce n'est pas le public, c'est pas les performances sur le terrain technique, tactique et autres, c'est le mental. C'est ça qui va faire la différence, c'est la psychologie, c'est dans les têtes. Parce que maintenant, à 8 journées de la fin, celui qui a le plus de caractère, qui supporte la pression et qui psychologiquement est prêt à faire ses 8 dernières journées, c'est pas que 8 finales, hein. C'est surtout 8 matchs pour lesquels il va falloir être sous pression et gérer cette pression. Et entre Angers, Saint-Etienne, Laval, Rodez et Caen, ça va se jouer là-dessus, que là-dessus, rien que là-dessus. On jouera là sur les 8 derniers matchs. On joue 2 équipes qui font partie des 3 derniers, les 4 dernières équipes. Il y a 3 équipes du milieu de tableau, donc c'est Concarneau et QRM. Il y a 3 équipes du milieu de tableau, Grenoble, Ajaccio et Bordeaux qui sont 11, 12, 13. Et on a Rodez et Caen. Clairement, ce sont les chocs qu'on aura à jouer sur ce calendrier. Thomas, le calendrier, qu'est-ce que tu en penses? Ce qui m'ennuie dans ce calendrier, c'est que on va jouer des équipes qui auront peut-être encore des choses à espérer. Ce qui aurait été parfait, c'est qu'on joue des équipes du ventre mou qui au plus vite. On en joue quatre. Hein. Guingamp. Alors Guingamp peut encore monter. Enfin, peut jouer les playoffs, mais Guingamp, oui. Grenoble, Bordeaux, Ajaccio, c'est quand même des équipes qui normalement seront sauvées. Quasiment sauvés quand on les jouera. Concarneau, QRM, honnêtement, je pense qu'ils vont descendre. Ils ont 28 points, ils sont très décrochés. C'est Rodez et Caen, en fait, les deux matchs difficiles. Oui, mais Bordeaux, ça reste une superbe affiche. C'est un choc. Donc, je pense que Bordeaux, ils vont jouer ce match à fond. Ouais, Grenoble, Bruno, c'est aussi... est d'accord avec toi. Bordeaux, ce sera difficile. Grenoble, c'est un derby. C'est un derby. Ça reste un derby, hein, Grenoble. Hein. C'est pas un derby. Ah, oui, c'est un choc, je sais. C'est une belle affiche, mais c'est pas un derby. Un choc régional. Non. Alors là, le coup du derby, Thomas, excuse-moi, tu le vois pas à l'écran, mais moi je te mets un carton rouge là, d'entrée de jeu, le derby avec Bordeaux. Non, mais le chat, réagissez. Non, mais réagissez là. Un choc régional, ok.
Et oui, ce sera un match difficile. Ce sera un match difficile. Jean-Baptiste, toi, est-ce qu'il y a des matchs qui te, qui, enfin, sur le calendrier, et puis par rapport à Angers aussi, comment tu sens cette fin de saison? Bah, disons que je pense comme un petit peu tout le monde dans ce mag, on s'est tous un petit peu penché sur le calendrier. On a tous essayé de jouer des inspecteurs des formes du moment et Dieu sait que ce n'est pas un exercice facile. On est vraiment sur des projections et Thomas l'a rappelé, en fait, n'est projection que ce que l'on espère parce qu'en fait, ça ne se passe véritablement pas trop comme on l'espère. Et il disait bien, Thomas, à juste titre, on va jouer un nombre d'équipes du ventre mou qui vont essayer d'espérer qu'encore des choses. Et en fait, c'est peut-être même moins facile d'aller jouer sur dans ces coins-là. Pour rebondir sur ce que tu disais, Angers, oui, Angers, ça va être l'affiche. Mais peut-être qu'on a un petit avantage sur le calendrier si on regarde véritablement les classements face à Angers. Moi, l'équipe qui me fait le plus peur, et tu l'as dit, c'est Rodez aussi. Ce Ils qu'on sont un peut peu loin essayer, quand même, ils sont un peu loin quand même en ils nombre de sont un points. peu loin et surtout ils ont un calendrier qui n'est pas facile. Ils vont jouer Caen, Auxerre, le PFC à la suite. Ça va être pour eux, ça va être difficile aussi. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri. Mais encore une fois, je vais jouer sur l'euphorie et je vais être celui qui espère cette éternelle l'espérance. Et je pense qu'on a un calendrier qui peut être favorable. Alors, Pour une fois, je pense que les planètes peuvent s'aligner. ouais. Vas-y, c'est toi, Thomas, qui voulais rajouter quelque chose? Ouais, Vas-y, vas-y. rapidement, je Ouais. glisse. Il y a vraiment ce match charnière. C'est ce Angers-Laval dont on Ah peut espérer oui. beaucoup. Il faut Exactement. Un absolument match que de fou. Laval aille Il arrive chercher tôt, un, Thomas. voire trois points à Angers. Il arrive tôt. Il aurait fallu qu'il arrive un peu plus tard. Non, Oui. on rediscutera de cette 35e journée. Je pense qu'Angers a le meilleur calendrier entre Ah Angers bon? et nous. Pour moi, Ah Angers a ouais. le meilleur calendrier, Alors, d'après les calculs il que y a j'ai faits. Albert Pina qui. Grenoble, 3, Pau, Annecy, ouais, Dunkerque, c'est vrai que c'est quand même. Malheureusement. Il y a Albert Pilla qui fait une très très bonne remarque sur le chat qui dit que avec les playoffs, donc les 5 premiers et les 4 descentes, en fait c'est normal que toutes les équipes potentiellement soient encore concernées soit par la descente, soit par les playoffs. Ça renforce l'attrait finalement de cette fin de championnat. Il a raison. Il a raison, bien C'est sûr. vrai. Oui. Mais une Le équipe, ventre mou eh est oui. très très faible en Ligue 2, Oui, ça c'est bah, le clair. ventre mou, si tu veux, tu as quasiment des équipes qui sont vraiment au milieu du classement qui peuvent encore espérer les playoffs. Tu vois, tu prends Grenoble, tu prends, prenons, ouais, prenons, Paris FC non mais 8e, 3 points prenons à Grenoble. 3 points de Grenoble a Rodez. 41 points. Grenoble, ouais. Ils ont Annecy en 5 a points. 33, hein. Non mais regarde, tu vois Grenoble, 41 points. Ils sont à 6 points de Caen, même pas à 4 points de Caen. Ils peuvent encore jouer les playoffs. Ils sont 11e, mais pour autant, ils ne sont pas encore sauvés de la relégation. Donc en fait, une équipe au milieu de classement, elle peut encore espérer jouer les playoffs, mais elle peut aussi se dire, oulala, si c'est la catastrophe, on peut descendre. Donc en fait, c'est vrai que ça rajoute à cette fin de saison tout le piment dont je parlais, on va vivre une fin de saison excitante, etc. Ouais, c'est vrai, parce que en fait, tous les matchs sont en jeu, et je pense qu'il n'y aura plus que les deux derniers matchs où ceux qui descendent, ce sera quasiment figé, il en restera peut-être un ou deux, mais globalement, on aura un classement qui sera assez figé. Je voudrais aborder un autre sujet, les amis. Imaginons que nous ne terminions pas deuxième, même si tout le monde y croit, parce que c'est l'enflammade. Terminer troisième, c'est très important, puisque la règle des playoffs, en fait, c'est de se dire que le cinquième se déplace chez le quatrième, le vainqueur de ce match, puisque ça se joue sur un match, ira se déplacer chez le troisième, et le vainqueur Bonne du chose. match de ce match-là fera un match aller-retour avec le 18e, enfin le 16e, ou je ne sais plus combien, de l'avant-avant-dernier de Ligue 1. Est-ce que si on joue les playoffs et qu'on est troisième, est-ce que vous pensez qu'on a une chance de monter, sachant que d'un point de vue statistique, globalement, on voit que en dehors de Saint-Étienne, les équipes qui ont joué les barrages sont plutôt et qui ont l'emporté sont plutôt les équipes de Ligue 1 qui ont réussi à se maintenir. Franck, est-ce que tu crois qu'en si on joue les barrages, on a la moindre chance de monter? Alors, je suis traumatisé par 1986 Saint-Étienne-Rennes sur un match à Geoffroy Guichard. On est battu 2-0 par Rennes sur un match. C'est juste pour dire que. Et le stade était plein. Hein. Donc, c'est juste pour rappeler que vraiment tout peut arriver, même dans un chaudron électrique. Moi, je veux y croire. Je me dis que si on est troisième, on doit quand même taper le club de Ligue 2. Oui. Et ensuite, s'ouvrent deux belles soirées qu'on avait vécues à l'envers contre Auxerre. Deux belles soirées dont le match aller a lieu d'abord à Geoffroy Guichard. Donc oui, non, mais j'espère qu'on va jouer contre la Ligue 1. Si on finit troisième, c'est pour jouer la Ligue 1, effectivement. Ouais, mais si C'est on joue à pour. Ligue 1, tu y crois ou pas? Ou Alors, tout va psychologiquement, on dépendre du sera. 16e.
tout va dépendre du 16e. Enfin, on peut en parler tout de suite. Hein. Qui peut finir 16e? Il y a beaucoup de clubs qui peuvent finir 16e en Ligue 1, c'est la même chose. Il y a Lorient, c'est ce que nous dit Benoît Auvergnat, c'est une de nos bêtes. Il y a Lorient, mais il y a Metz. Moi, je miserais bien sur le Havre. Mikotadze, là, le... Oui. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vous pose la question sur le chat. Hein. Est-ce que vous croyez à la montée si on joue les barrages? Est-ce qu'on peut monter ou pas? Il y en a beaucoup qui disent non. Le Havre. La revanche du Havre. Ah, ça serait de la gueule, hein, avec le Texier. Ça serait de la gueule. Thomas, on a la moindre chance si on joue les barrages ou pas? En fait, tout dépendra de la dynamique dans laquelle on est à ce moment-là. Si on est troisième en ayant gagné les deux derniers matchs, qu'on est dans une dynamique positive, ouais, je pense que oui, il y a un coup à jouer. Par contre, si on termine troisième parce qu'on a nettement fléchi et qu'on a perdu notre dernier ou nos deux derniers matchs, voilà, ça risque de perturber les joueurs. Donc, tout dépendra de la dynamique dans laquelle on est. Tout dépendra aussi de la manière dont se projettent les joueurs sur la future saison. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que certains seront déjà dans leur nouveau contrat, les retours de prêt. Voilà. Je pense si malheureusement que... Match contre Nantes, par exemple, ce serait incroyable. Enfin, il y a beaucoup d'équipes... Ce serait des affiches incroyables, hein, quand même, avec beaucoup de suspense. JB, un mot là-dessus, avant qu'on passe au match de demain? Oui, alors, c'est vraiment le scénario, le scénario que je n'envisage pas. En fait, finir troisième, c'est s'offrir la possibilité d'aller jouer face à une Ligue 1 pour monter, mais c'est aussi la possibilité de ne pas jouer du tout et de rester en Ligue 2 encore. Et ce serait... serait traumatisant. Et perdre, en se projetant à aller jouer cette double confrontation face au club de Ligue 1, perdre, ce serait vraiment rembrayer encore sur une année de Ligue 2 avec... Là, c'est le moment ou jamais où il faut monter, en fait. Encore une fois, au bout d'un moment, la Saint-Etienne ne pourra pas survivre en Ligue 2 éternellement. C'est... Quand même, les amis, juste une remarque, hein. Il y a 7 matchs. On pensait qu'on allait finir au milieu du classement, hein. C'est-à-dire que c'est 6 victoires, là, 18 points plus le match nul, 19 points, qui nous repropulse en haut de classement, on se met à y croire. Mais si on revient. Moi, il y a 7 matchs, tu m'aurais dit, vous allez finir, vous allez jouer les barrages. Je t'aurais dit, franchement, si on joue les barrages, c'est un miracle, ce serait super. Et là, on dit, non, la troisième place. Ça va vite, mais. Mais c'est comme, finalement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au tout début de l'émission, c'est cette euphorie, cette enflammade aussi, qui, moi, je la juge positive, c'est-à-dire qu'elle doit nous faire avancer. Ouais, il ne faut pas, comme Thomas le dit, qu'elle nous freine et qu'elle nous tétanise à l'idée de jouer face à 40 000 spectateurs. Non, il faut surfer sur cette positive. Il faut garder du sang-froid, il faut rester lucide, garder du sang-froid. J'ai toujours cru à la montée, hein. Je vous l'ai toujours dit. J'ai toujours cru à la montée. Voilà, il faut être serein, il faut être dans la maîtrise. Quelle mauvaise foi, ce Thomas. En tout cas, Dalloglio pourra dire, comme l'avait fait Antonetti à son époque, moi, j'ai pas pu faire la saison complète. Je suis désolé. En tout cas, on ne pourra pas lui reprocher quoi que ce soit. Rien lui reprocher. Quand tu repenses à la première partie de saison avec Batles, les matchs étaient horribles. C'était horrible. Le contraste est quand même très violent pour Batles. Franchement, je trouve que c'est hyper violent pour lui parce que quasiment avec le même effectif. Bien sûr, il y a Cardona, on aime beaucoup, mais c'est pas quand même un joueur qui change la physionomie d'une équipe. Cette équipe n'est plus la même. Et pour Batles, je trouve que c'est hyper violent de voir le contraste des résultats entre les deux équipes. Danrod, il a raison. Tu prends Chambaud et Nadé, c'est pas possible. Deuxième, et c'est tout, nous dit Danrod, effectivement. Sur un barrage, les stats sont caduques, nous dit Iva. Ouais, il faut coûte que coûte finir deuxième. Masson aussi, très juste, Benoît Vernier. Masson qui est arrivé. Le sondage est très serré, hein. C'est 50-50. Hein, entre si on joue les barrages, on monte. Oui, 51%. Non, 49%. 50-50, c'est du 50. C'est 50-50. Oui. La commu, elle est partagée. La communauté est juste et voilà, elle partage. C'est le nom qui l'emporte. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour voter, les amis, qu'on atteigne les 100 votes. Et on va passer au deuxième sujet, le match de demain. Ouais. Incroyable, on se dirige vers un record. Alors peut-être une première question, les amis, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Je ne me suis pas trop penché sur la question. Mais pourquoi les balcons au-dessus du Kop Nord et du Kop Sud sont toujours fermés? Est-ce que vous avez la réponse à ça? Oui, j'ai un élément. Ah, vas-y. J'ai un élément de réponse. Alors, j'ai lu un petit peu... Je me suis renseigné, alors surtout sur X, anciennement Twitter. Ouais. La chance, que c'est que X, des, X dit, alors c'est quelqu'un qui travaille au club, qui souvent participe un peu à des petits, il donne un peu des petites infos, etc. Donc il est très connu et expliquait qu'en fait la structure des COP
fait qu'il y a un seul escalier pour aller dans le COP et aller dans les balcons. Et qu'il y a eu énormément de problèmes de sécurité de personnes qui, en fait, n'allaient pas dans les balcons, mais allaient dans les COP, et qu'il n'y a pas de système pour vraiment orienter les spectateurs juste sur les balcons. D'accord. Ça, plus des phénomènes de sécurité que la Ligue ont imposé au stade pour des raisons d'agents, de stewards, etc. Ça nécessite du personnel supplémentaire. En fait, tout ça fait que le club, depuis 3 ans, a décidé de supprimer l'accès au balcon supérieur. Alors, vous me direz, vous avez tout à fait raison, et je suis de ceux qui le pensent, que c'est absolument absurde. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir nos balcons ouverts d'après la personne qui témoignait. Alors, il y a Joseph Alésina qui confirme tes propos, Albert Pilla également, ok. Voilà. C'est bien la raison, effectivement, merci Jean-Baptiste, mais je trouve ça absurde, je ne comprends pas en fait. Je comprends pas parce que le stade, il a quand même été mis aux normes pour la Coupe du Monde, pour les compétitions internationales, donc il y a un truc qui m'échappe. Pour les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Olympiques aussi. Je comprends pas, et ça fait combien de places en moins? Ça fait 4000 places en moins, non 2000 et 2000 C'est 4000 places, voilà, oui c'est 2000 à peu près, plus ou moins. On aurait 40 000 personnes, moins, voilà. 42 000 personnes, c'est quand même inacceptable. Bon bref, les amis. Inacceptable. Voilà, qui se démerde quoi, hein, qui fasse en sorte que ça passe. Bon, on passe au match les amis. Alors déjà la compo du groupe, le groupe pour demain les amis, grosse surprise. Grosse surprise. Briançon n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a Anthony? Gêne musculaire, il a aïe la cuisse ou le mollet, on sait pas, ouais. Mais gêne musculaire pour Anthony Briançon, donc Green, Larsonneur, les gardiens. En défenseur, il y en a 5. Battu, Benteig, Masson, Nadé et Petro. Ça fait pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas de trop, hein. Voilà. Milieu de terrain, il n'y a pas de surprise. Bouchouari, Chambaud, Fomba, Monconduit, Mouefek, Tardieu. Et attaquant, Cafaro, Cardona, Mboukou, Sissoko. Et celui qui remplace numériquement Briançon, c'est Rivera. On sait que Rivera, en fonction des suspendus ou des blessés, c'est lui qui fait un peu le yo-yo dans le groupe. Donc voilà, donc du coup, on peut déjà parler de la compo de demain sans prendre trop de risques, parce qu'à chaque fois, la vraie incertitude, c'est la défense centrale. On aura Larsonneur dans les buts, sans aucun doute. On aura Masson à droite, Petro à gauche, battu Bintinka et Nadé dans l'axe. On n'a qu'un remplaçant, hein, donc c'est Benteig. Ça posera question quand même quand on jouera à Ajaccio, puisque Masson sera suspendu, mais on n'en est pas encore là. Oui. Milieu de terrain. Grosse incertitude à mes yeux, est-ce qu'il va reconduire Tardieu ou est-ce qu'il va mettre Monconduit? Mon prono, et je vous écoute après les amis, c'est qu'il va remettre Monconduit. Je pense que Monconduit va faire son retour dans le 11 de départ. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas? Oui, moi je suis d'accord. Il met sous pression, on l'a dit, c'est mentalement et la gestion de la pression qui va faire monter Angers ou Saint-Etienne. Donc il met sous pression plus que 11 joueurs, donc il a raison, il faut tourner. Oui, mais est-ce qu'il va le faire? Parce que la performance de Tardieu à Valenciennes... C'était pas catastrophique, mais Monconduit, Thomas Monconduit. Oui, on a compris, effectivement, il dit faire un turnover, et effectivement, il y a un turnover, mais c'est vraiment léger. Oui, c'est léger. C'est des petits switches qui concernent quelques joueurs. 3, voilà. 3, 4. C'est bien. Donc, c'est bien. Un coup, c'est Batou, un coup, Briançon, Monconduit ou Tardieu, mais voilà, c'est un peu à la marge. Cafaro, On voit, il y a des constantes. Derrière, Nadé, n'ayons pas peur des mots et ne nous enflammons pas, mais Nadé, c'est le nouveau de Saï, c'est le rock. C'est Métomo, c'est Lucien Métomo. Je crois qu'on peut le dire de manière lucide. Ça. Non, et après, si, il y a quand même... Et c'est ça, moi, qui m'interpelle concernant Odo, parce que bien évidemment, tout lui donne raison à ce monsieur. Mais il y a quand même l'énigme incroyable. Ça reste Bouchouari. Bouchouari, alors après, pour moi, c'était... alors, quand l'équipe n'allait pas bien, aujourd'hui, ça serait à discuter, mais quand l'équipe n'allait pas bien, c'était clairement le meilleur joueur de l'effectif. Et je ne vois pas pourquoi ce joueur puisse à ce point disparaître. Et on sent clairement que les petites entrées qu'il fait, et dans des conditions pas faciles, hein, parce que c'est des bouts de match sur des postes de merde, on voit qu'il en a encore sous la semelle, quoi. Bon. Donc c'est clairement un choix humain, hein, mais c'est dommage, parce que franchement, si Bouchouari... alors s'il ne fait pas ce qu'il faut, il faut qu'il se remette la tête d'équerre de façon à faire ce qu'il faut, parce que moi je me dis que dans cette équipe qui est vraiment actuellement... à fond, qui est vraiment en feu, c'est magnifique.
un Bouchouari qui marche sur l'eau, ça serait exceptionnel. Breaking, Thomas, breaking. Il y a Lucas Néré qui a fait un don de 5 $ canadiens qui dit pour moi, on va monter, c'est sûr, que ce soit direct ou non. Car quand je vois l'équipe qu'on a maintenant par rapport à avant avec Batless. Merci beaucoup, bravo, Lucas. Bravo, bravo, bravo. Les applaudissements pour Lucas. Les applaudissements. Le change, ça donne quoi, là, le dollar canadien? Je ne sais pas du tout. Merci beaucoup, Lucas. Merci bien. Je crois que c'est à peu près le même. Non, mais sérieusement, Bouchouari. Oui, alors vas-y, sur Bouchouari. Odo et son adjoint. Merci Odo beaucoup. Odo et son hein, adjoint, ils ont dû manger de la vidéo. Ils ont dû voir tous les matchs intégralement. Enfin, je veux dire, c'est quand même des gars qui ont dû étudier, éplucher et regarder les performances de ce joueur. Et s'il se retrouve pour le moment à l'écart du 11 titulaire, ce n'est pas un hasard. Hein. C'est un regard, un travail professionnel de deux gars. L'adjoint de, je ne sais plus le nom de l'adjoint d'Odo, mais Odo et son adjoint bossent pour dire alors, qu'il n'est pas au niveau. Il ne marque pas. Hein. Je l'adore, Bouchouari. Il performe, mais il ne marque pas. Il ne marque pas, il ne fait pas de passe décisive, c'est vrai. Et la passe voilà. Bon, moi, je l'aime bien, Bouchouari. Je pense que... Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un problème comportemental. Relationnel. Comportemental. Ouais. C'est-à-dire que, souvenez-vous, c'est notre envoyé spécial à Geoffroy Guichard, Olivier, qui nous avait alerté sur le comportement déplacé de Bouchouari dès l'année dernière, en lui disant qu'il avait un comportement qui n'était pas tellement adapté. Et je pense que quelqu'un comme Odo, ça, il ne fait pas de cadeau là-dessus. Comme il regarde les comportements à l'entraînement, comme il regarde les attitudes. Il en a parlé d'ailleurs quand il parle de Nadé, là, je ne sais plus sur quel site j'ai vu une interview, je crois que c'est peuplevert.fr, peut-être envers et contre tout, je ne sais pas, qui reprend les propos de Odo à propos de Nadé en disant qu'il travaille beaucoup à l'entraînement. Quand on voit Chambaud à l'entraînement, c'est les deux joueurs qu'il a mis en avant. On voit qu'il attache beaucoup d'importance à ce qui se passe la semaine et je pense que Benjamin Bouchouari ne fait pas tout à fait la même chose. Et à partir du moment où un entraîneur gagne, de toute façon, il a raison. Et même si Bouchouari était potentiellement fort, bah, pour l'instant, il passe à côté de l'aventure. Mouefek, on continue la compo, les amis, quand même. Mouefek et Chambaud sont deux joueurs qui, a priori, eux, sont à l'abri du turnover. Tu es d'accord avec ça, Jean-Baptiste? Voilà, oui. Ouais. Oui, totalement. Oui. Totalement. Indiscutablement. Chambaud. Chambaud, il faut le dire. Chambaud, c'est le nouveau Platoche. Mais on parle étincelant. C'est le nouveau Platoche. Breaking. Oh, Fabrice, merci beaucoup, Fabrice, qui fait un don de 60 euros. Merci, Fabrice, qui nous dit le match Angers-Laval est capital, que nous n'avons pas les cartes en main. Oui, tout à fait, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice. On applaudit, Fabrice. Merci. GG, Fabrice. Merci, mille merci. Allez, vous lâchez tous les GG pour Fabrice. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, les amis. Bonsoir à Joseph qui nous rejoint. Tu vois, Joseph, tu likes la vidéo. On n'a que 130 likes, les amis. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Ah oui, c'est peu les gars. Oh, alors, c'est allez, chaud, on like, on like, on like, on like, on pousse les likes. Oui, et on continue devant. Franchement, quand il a mis Mboukou à la place de Cafaro à Valenciennes, moi j'étais sidéré. Hein. J'étais sidéré par le choix de Odo. Bon, Sissoko, il lui faut une occasion, il la met au fond. Cardona, il est monté en puissance 6 buts lors des 6 derniers matchs. Et Cafaro, j'espère qu'il sera titulaire. Je pense qu'il remettra Monconduit et Cafaro. Thomas? Oui, oui. Moi, je me pose une question, c'est qui aime beaucoup. Je vous pose la question. Oh. Qui aime beaucoup. Là, moi, j'aime bien. Ah bon, moi, j'aime bien ce joueur. Ah bon, moi, j'aime bien. Moi, j'ai un petit côté Gradel. Il a un petit côté Gradel. Oh non. Non. Gradel. Max, Alain, si tu nous entends, Max Alain, je te présente mes excuses. Gradel. Non. Non. Et il n'y arrive pas. Et après, ils étaient retournés, la veste était retournée. Non, mais Max Alain, au nom de Carton Rouge TV, je te présente toutes mes excuses pour ce dérapage de Franck. Reprenez. Je pense que tu confonds Gradel et Frédéric Mendy, non? Oh là là. Le Gradel du début. Vous avez le Gradel du début, puis le Gradel d'après. Et le Gradel du début, c'est le Mboukou actuel. Je suis désolé. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les références, Bouchouari Zokora avait un peu le même style de jeu. Oui, Zokora. Maestro. Didier Zokora. Quel joueur, maestro. Qu'est-ce qu'il était fort, Zokora. Oh ouais, exceptionnel. Didier Zokora. Bon, non, mais. Alors, bon, Mboukou. J'aime bien. Mais tu préfères Mboukou à Cafaro, Franck? Non. Ah, bon. Mais non, le joueur qui doit être titulaire pour la fin de saison, c'est Cafaro. Mais Mboukou, il faut le garder sous pression. Sous pression. Oui. Bah, il a marqué son péno. Il marque des buts, il a fait un doublé à Bastia, ça va. Bon état d'esprit. Très bon état d'esprit. À Valenciennes, il n'a pas été. Étincelant quand même. Hein. Alors, il y a quand même une chose. Moi, je ne le trouve pas top. C'est un des moins bons dans cette super équipe actuellement. Mais il y a quand même une chose où il faut être très clair. Il est meilleur que Diarra.
Pour moi, voilà. Parce que Diarra, c'est pas possible. J'avais eu l'occasion de dire ce que je pensais de ce joueur. Et au moins, Mboukou, sans être flamboyant, il a ce mérite-là. Il est meilleur que Diarra. Il y a Antoine qui dit si jamais Wadji revient pour les derniers matchs, ce sera une option supplémentaire. Bah, on ne sait pas, Wadji. C'est quand même un mystère. C'est quand même très curieux. Ah non, mais Wadji. Vas-y, Jean-Baptiste. Wadji, c'est quand même incroyable. En fait, y a... est-ce que quelqu'un d'ailleurs a des nouvelles fiables? Parce qu'on voit tout circuler sur son. Je ne sais pas. À chaque conférence de presse. Très curieux. Chaque conférence de presse, Odo dit non, là c'est encore un peu juste, on va attendre un peu. C'est ça, ben, c'est exactement ça. J'ai relevé un petit peu sur les deux dernières conférences de presse. C'est exactement la même phrase. Il est un peu juste. Excellent Aymeric. Excellent Aymeric Fort qui dit tant qu'on y est. Dans les comparaisons, Pinter m'a beaucoup rappelé Faïdouno. Hey, 20 sur 20. Très bon, voilà. Aymeric, 20 sur 20. Excellent. Non, ouais, excellent. Rien mais à dire. C'est pour ça qu'on dit des choses. C'est pour que ça réagisse sur le chat. Voilà. Il faut dire les choses. C'est exactement ça. Pinter, il laissera une trace indélébile dans nos souvenirs, dans nos mémoires collectives. Bon, les amis, parlons peu, mais parlons bien. Demain, le match face à Concarneau, on est d'accord, on gagne ce match sans aucune enflammade et en toute objectivité, on les explose, Thomas. Bah oui, oui, bien sûr. Bah logiquement, oui. Enfin là, 37 000 personnes, 38 000 personnes. Enfin, je veux dire, on les prend à la gorge et on en met 3 ou 4. Normalement, c'est normalement. Justement. Moi, si on gagne 1-0, vous savez très bien que ça suffira. Tu l'as dit, oui, Flavien. Non, mais là, il faut les exploser. Il faut les. Ouais. Mais vous savez comment. Ils ont une défense de merde. Ils sont nuls défensivement. Ils sont nuls. Effectivement, c'est une très mauvaise défense, donc on devrait pouvoir s'y retrouver. Mais moi, j'attends pas un 8-0, ni 5-0, ni 4-0. J'espère surtout qu'on emballe et qu'on garde les demi-temps à l'identique. À Valenciennes, on a joué que la première. Mais c'est pas grave, ça, Franck. Pourquoi ça te pose problème à partir... Ah, j'aime pas le public. Stéphanois, il aime pas ça le public. Non, mais moi, en fait, c'est vrai que clairement, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ils ont pas joué les mecs. Mais ils ont géré en fait. T'as pas exactement. Besoin. Ils ont géré, tu vois. Pas de blessure. Les autres étaient nuls. Tu gères, tu gagnes du temps. Franchement, c'était bien joué, moi, je trouve, de la part des Verts de se ménager sur cette deuxième mi-temps. Moi, je n'y attache pas d'importance à ça. Par contre, demain, effectivement, Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette équipe de Concarneau, mais normalement, on doit vraiment gagner. Si on ne gagne pas, par contre, là, c'est un coup d'arrêt qui est hyper brutal pour notre montada au classement. Écoute, c'est 6 matchs sans victoire, Concarneau, 3 matchs, 3 défaites consécutives avec quand même énormément de buts. 8-9 buts encaissés, non, ça devrait. Disons que c'est une très mauvaise passe pour les Bretons. Je pense qu'il faut vraiment appuyer. D'autant qu'en plus Concarneau n'a pas eu de chance cette saison. Ils n'ont jamais joué chez eux. Ils sont à cheval sur 3 stades en Bretagne. Enfin, c'est une histoire lunaire. C'est dur. Pour eux. C'est dur. C'est très dur pour eux. Ils passent leur vie en bus. Enfin, c'est. C'est qui l'arbitre ? Il y a pas de budget. C'est très compliqué. C'est donc ils viennent à Saint-Étienne devant 40 000 Stéphanois. Il faut pas leur faire de cadeaux et il faut continuer sur cette dynamique. J'ai lancé un petit sondage sur le chat pour le prono pour demain. Victoire à SS, victoire Concarneau ou match nul. Allez-y, votez. Je pense qu'on va avoir un raz-de-marée pour la AS Saint-Étienne. Vous pouvez mettre aussi dans les commentaires du chat, les amis, votre pronostic sur le score. Il y a Enzo qui dit l'arbitre, c'est Turpin. Non, t'es pas sérieux, Enzo. Non, c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Non, mais par contre, c'est Keradji. Keradji, il est pas mal, lui. Il est pas mal. Vas-y, Thomas. Tu as parlé tout à l'heure que cette deuxième mi-temps, et je suis 100% d'accord avec toi, Flavien. Franchement, les Stéphanois, ils ont plié le match en une mi-temps. Enfin, fantastique, rien à dire. Ils ont géré la seconde. Et cette gestion, elle est importante. Il faut lier cette notion de gestion avec toute la fin de saison. Il va faire ce qui serait fâcheux. Tu vois, pour le moment, tous les voyants sont au vert. Ce qui serait fâcheux, c'est des mauvaises blessures. C'est des suspensions comme celle de Masson à venir qui sont vraiment préjudiciables. Ouais, parce que, un mot, on en a déjà parlé, mais moi j'éprouve le besoin de le ressouligner ce soir. On a eu un mercato cette année qualitatif, là où avant on faisait plutôt des mercato quantitatifs. Et là, on n'a pas eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés, mais il y en a deux joueurs, Cardona et Masson, que je tiens, et je le dis, pour actuellement les deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est pas le même contexte, Thomas. Il y a un joueur qui doit prendre une revanche. Ils tirent tout le monde vers le haut. Ce sont des joueurs de Ligue 1, niveau Ligue 1. Un joueur qui doit prendre une revanche et un joueur qui doit redevenir ce qu'il a toujours dû être, c'est-à-dire un très bon joueur de Ligue 1. On n'avait pas du tout les mêmes. On n'était pas sur les mêmes objectifs quand ils arrivent au mercato. Il y avait un garçon qui devait prendre sa revanche avec le peuple vert, qui avait tout à reprouver. Et puis, la bonne surprise, c'est Cardona pour moi. C'est la belle surprise. Hein, surtout moi, je n'y croyais pas sur Cardona. Mais par contre, là où tu as raison. Vas-y, JB.
Non, Cardona, c'était pour rebondir, mais Cardona, mais j'étais le premier aussi à dire qui, c'est qui. Et en fait, c'est incroyable, c'est notre serial buteur. Ouais. Oh là là, il monte vraiment en puissance. Il a trouvé vraiment, mais par contre, Thomas, tu as raison de souligner ce point. On prend moins de cartons que la saison dernière. Ça, c'est incontestable et c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais on est fragile. Là, on le voit dans le groupe défensivement, on n'a que 5 joueurs. C'est pas beaucoup puisqu'on a une défense à 4. Si on a le moindre problème, Benteig rentre. Mais franchement, on sent qu'on est fragile face à Ajaccio. Masson sera suspendu, Appia n'est pas là. Si Briançon est blessé, on peut vite se retrouver en difficulté. Au milieu de terrain, ouais, c'est moins le cas, parce qu'au milieu de terrain, c'est là où on a le plus de joueurs. Il y a du Bouchouari sur le banc, il y a le joueur que tu préfères, Thomas, c'est Fomba, qui est là aussi, qui se tient prêt pour rentrer sur le terrain. J'ai oublié Fomba. Oui, il est toujours là, Fomba. Neyou. Neyou. Ah, il marche bien, Neyou. Il marche bien, Neyou. Oui, il marche bien, Neyou. Il marche bien en Espagne, en D2 espagnol. Et puis devant, c'est vrai que comme Wadji n'est pas là, si Sissoko se blesse ou s'il est suspendu, c'est plus pareil, quoi. Donc c'est vrai qu'on est un peu fragile. Ouais. C'est un peu. Tu as raison. Tu as raison. On est fragile. Et Flavien, tu te souviens face à Valenciennes, je sais plus combien. Je crois que c'était juste après la mi-temps, la première période. Moment de où tout le monde a arrêté de respirer quand Larsonneur se blesse, se fait mal, reste au sol et tout le monde se dit il va sortir. Et là, il est blessé. Il se tenait un petit peu l'aine et on s'est dit ouh là 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 là. S'il venait à se blesser d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Mais c'est vrai pour la sonneur, le sprint au final ne serait pas le même. Hein. Ouais, c'est sûr. Après. Et pourquoi pourquoi on fait pas appel à la jeunesse aussi, voilà. le Brian Nkwe que moi j'avais beaucoup aimé. L'inconvénient c'est que les jeunes sont tenus à l'écart du groupe parce qu'il y a pas de la place pour tout le monde. Ça c'est vrai. Mais par contre, si tu veux se dire que si jamais derrière on a de gros problèmes, on fait rentrer un jeune qui a très très peu de temps de jeu en Ligue 2 pour la dernière ligne droite où c'est 8 finales devant 40 000 personnes, t'imagines la pression qui pèse sur les épaules du jeune, quoi. Alors après, ils sont professionnels, hein, il faut qu'ils assument, mais je pense que ce sera forcément très compliqué. Demain, le match face à Concarneau, donc les amis, votre prono rapide comme ça, là, un rapide tour de table, puisque sur le chat, hein, pour l'instant, c'est 95% victoire de la SS, 4% match nul, et il y a un supporter de Concarneau qui nous dit victoire de Concarneau, visiblement. Bienvenue à Michel C, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, hein. Je ne vous salue pas tous les uns les autres, mais merci beaucoup d'être là. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo. Les pronos pour demain, les amis. Franck. 1-0 avec la manière et le mental. Faut du mental, solide, 1-0. Un clean sheet de plus. Suffira. Clean sheet. Cardona. Clean sheet. Obligatoire, oui. Le clean sheet, ouais. Oui, oui. Thomas. Oui, ça va être du classique, du 2-0. Je suis désolé pour notre ami Concarneau. On dit les tonniers, je crois, c'est ça. Concarneau, c'est les tonniers qu'on appelle l'équipe, il me semble. Non, désolé pour les tonniers, c'est une équipe fort sympathique, mais ça va être du 2-0. Ah, il y a Iva qui est pessimiste, il dit un partout. Il y en a qui disent 3-0 comme Michel. Il y a Emery qui dit 2-0. Rob Ludo également 2-0. Michel, c'est 2-0. Enzo, 5-0. Jean-Baptiste, tu dis combien ? 2-0. Comme Valenciennes, petite victoire, mais victoire. Et on continue la série. On ne prend toujours pas de but avec un Larsonneur étincelant. Ce sera un 4-1, les amis. Ah, oh, comme 4-1. Koba. Ouais, 4-1. Comme Koba. 4-1. On prendra un but con. Malheureusement, on prendra un but con. Une bévue, un truc. Alors, je sais pas si c'est un défenseur ou l'arsenal. Il y aura un truc. Et on en mettra 4. Petro va glisser. Ou un penalty, tu vois, une grosse faute. Nadé, il faut qu'il se concentre là-dessus. Parce que même si c'est le nouveau de Saï, quelquefois, il a des troubles de concentration. Et donc, on en prendra un comme Véronique. Véronique Poyer nous dit 4-1, les amis. Mais 4-1. Oui. Il faut une Ola. Vous le savez que demain, il faut des Ola. Ah, la Ola, la Ola. Un mot sur l'ambiance. Le stade, guichet fermé, ouais. 38 000 personnes. Trois groupes de supporters qui feront les 90 ans. Il y a l'Union des supporters stéphanois, les indépendantistes stéphanois et les Green Angels. Un programme chargé toute la journée, c'est ça, JB ? Ouais, ça va être, ça risque d'être une ambiance folle. On va sûrement battre le record d'affluence de cette saison, mais loin encore derrière le record du Red Star à l'époque, quand le Red Star accueillait l'AS Saint-Etienne, c'était 42 000 spectateurs. Donc c'était des stades de fou, mais pour un match de Ligue 2, honnêtement, c'était au Stade de France. Oui, le Restart, c'est au Stade de France. Le record, c'était Métomo. Le puits. Là, tu fais une référence au puits avec le coup d'envoi de Renault, le chanteur. Hein. Ouais, et ouais. C'était Lucien Métomo qui était défenseur central. On s'en souvient tous. Et la grave blessure ce jour-là Le gardien de but, notre gardien de but à l'époque. Alonso.
Alonso, merci Jérôme Alonso. Ouais. C'était gravement blessé, il s'est fait les croisés ce jour-là. Mais demain, on ne peut pas évoquer cette ambiance de fête qui nous attend avec tous les supporters et l'inquiétude qu'a relayé Odo. Fumi ou pas demain là ? Faut pas déconner. Mais attendez les gars, le peuple vert, quand il est appelé à la table pour la remontée en Ligue 1, il sait se tenir. Il s'assied, il prend ses couverts, il met sa serviette autour du cou et le peuple vert, il est éduqué, il est bon. Le peuple vert, il est peut-être plus fouillis et plus perturbateur quand tout va mal autour. Là, tout va bien. Tous les voyants sont au vert. Il y a eu un communiqué. Il y a eu un communiqué. Émeric Faure le dit. Des groupes de supporters qui ont appelé à respecter les règles. Bien sûr. Le peuple vert est éduqué. Mon inquiétude, les gars, je vais vous le dire. Ma grosse inquiétude, c'est un ou deux supporters lyonnais déguisés en Stéphanois qui viennent commettre des exactions dans le chaudron. On ne peut pas écarter cette éventualité. Elle est même très probable. Tu appelles le diable, Thomas. Tu es en train d'appeler le diable. Tu appelles Satan. Rob Ludo qui dit pas de fumée, pitié, pas de fumée. Roland, c'est le message. Le peuple vert sait très bien se tenir quand il est appelé à remonter en Ligue 1. Est-ce que si on monte en Ligue 1, j'aurais le droit de craquer un fumée ici ? Est-ce que j'ai le droit de le faire chez moi quand même ? Parce que c'est quoi ça ? Il n'y a plus de liberté dans ce pays, alors on ne peut plus craquer des fumées. C'est chiant quand même. Franchement, ça m'énerve ce truc. Ça m'énerve. Et c'est marrant parce que politiquement, ça bouge pas en fait. C'est-à-dire que les parlementaires ne se saisissent pas de ce dossier. C'est pénible. Si j'étais parlementaire, je m'en occuperais de ce truc-là. J'essaierais de faire avancer les choses. Bien sûr. J'autoriserais les. Je ferai en sorte de. Et on n'a jamais eu Sacha Houillé. On espérait Sacha Houillé qui devait venir nous en parler. Ils n'ont pas avancé sur le dossier. On a eu quelques contacts, mais ça s'est jamais concrétisé. Dommage. Ils n'ont pas fait avancer le dossier. Les amis, on s'approche de la 50e minute de jeu. Si, c'est la 50e minute de jeu. C'est la 50e minute de jeu. Il y a pas de temps additionnel. L'assistance vidéo, tout le temps passe. Alors, je mets fin au sondage. 95% de victoire pour l'AS Saint-Etienne. Il y a Jean-Marc Vidal qui dit 3-0 pour nous, etc. Ça va chauffer les amis. Petite page actu en bref. On en parle très très vite parce que c'est des petites actus qu'on va donner comme ça. Rachat du club. Oui. Moi, j'avais fait une vidéo dessus. Il y a un Lyonnais, rien que de dire, ça me fait des hauts le cœur, qui aurait potentiellement envie d'acheter le club. Qui peut nous en dire un mot ? Qu'est-ce qu'a lu l'actu ? JB, peut-être, je me tourne vers toi, toi qui es au courant de tout, Jean-Baptiste. C'est quoi l'info qui a circulé ? Il y a Peuple Vert qui a relayé ça ? Oui, j'ai vu que c'est Peuple Vert qui publie l'intérêt de l'ancien président de Lyon pour le club du Forez. Je n'en dirai pas plus, ça m'écorche. Mais par contre, excusez-moi, mais il y a un truc, moi, quand j'ai vu cette brève, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est l'ancien président de Lyon, dont on ne dira pas le nom. Non. Pas la peine. Pas d'insulte sur le hélas, trois fois hélas. Faut pas dire des gros mots sur le chat. C'était lui, l'ancien président de Lyon. C'est quoi cet ancien président de Lyon là ? Ou alors le mec, il était président dans les années 70. Enfin, c'est un centenaire, c'est l'histoire d'où ce gars ? Je sais pas, mais. Enfin, c'est un truc. Lyon la Duchère, ou je sais pas, mais c'est quoi cet ancien président de Lyon ? C'est un film d'horreur. Mais en tout cas, effectivement, c'est un Lyonnais, et on voit que cette offre d'achat dont on se demande s'ils ne veulent pas provoquer de la déstabiliser le club dans un moment clé. Oui, c'est vrai. Encore une fois à un mauvais moment, cette histoire. Toujours Cayazo qui étudierait le truc, et Romeyer qui ne sent pas le truc. Il voudrait déstabiliser le club, qui s'y prendrait pas mieux. Crédible ou pas crédible ? Franck, non, pas crédible. Non, pas crédible du tout. Mais non. Super. Mais non. Très bien. On est tous d'accord. Allez, ça dégage. Et puis en plus, selon Peuple Vert, il tire des casseroles, donc. Allez, ça dégage. Le Lyonnais, ça dégage. Non, ça dégage. Il y en a un autre qui dégage aussi. Enfin, on l'a fait dégager il y a longtemps. C'est Assou et Koto, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous en dis un mot, Thomas, parce que tu avais lu. Thomas, le mec sort une interview. Assou et Koto, il sort une interview dans laquelle il taille Galtier, il taille les présidents et il taille la ville, quoi. Il taille tout le monde. Après, combien de pétards il a fumé ? Ce qui est dingue, ce qui est dingue, c'est que tu vois, il y a des joueurs, tu les oublies. Il y a des joueurs qui marquent l'histoire du club. Il y en a d'autres, c'est un peu des anonymes. Tu les revois un jour. Ah ouais, lui, il a joué à Saint-Étienne, mais je me souviens pas trop.
lui et Cotto, Assou et Cotto, tout le monde s'en souvient. Et tout le monde se souvient que c'était une chèvre. Ah, oui. C'était une chèvre. Ah, et le mec vient ouvrir sa gueule dans un média, là, mais... Ouais. C'est marrant, ces mecs qui viennent cracher leur venin. Alors... L'une de ces phrases, ouais. Hein, je me permets quand même, hein, c'est... Bon, putain, c'est pas ouf ici, cette ville. Bon, il commence comme ça. Alors déjà, bon, pour se tailler une réputation, c'est vrai, quand on n'est pas très, très bon sur le terrain, bon... On évite. Et puis, alors, je pense que tout le monde y est passé. Hein. Chacun son tour. On a pris « Tu es la reine des salopes ». Bon, bah, ouais. je donne quelques… Après… Non, mais c'est lunaire. C'est tellement énorme, c'est qu'on peut aussi… Bon, il faut être honnête. On peut aussi s'interroger sur les conditions de l'interview. Est-ce que ce mec était vraiment dans une situation d'interview, auquel cas, c'était une chèvre, mais en plus, il est complètement demeuré? Ou est-ce que c'est presque, il parlait en format, il marchait dans la rue, un mec l'a enregistré. Est-ce que c'était une conversation comme ça, quoi? Il était dans le parc. Il était dans le parc de son hôpital psychiatrique. Tout simplement. Bon, allez, Assou, Kyoto, ça dégage. C'est comme Ça dégage. Une petite actu quand même, parce qu'on l'a appris tout récemment. Le sponsor maillot du club Smart Good Think ne va pas très bien. Financièrement, visiblement. Et donc, on va avoir un nouveau sponsor maillot qui arrive. C'est Kellips Intérim qui saisit ainsi l'opportunité, pour reprendre le communiqué de l'ASS, d'apposer sur la face avant du maillot officiel des Verts sa nouvelle identité visuelle dès ce samedi dans un stade Geoffroy Guichard à guichet fermé. Je ne connaissais pas Kellips Intérim. Je ne sais pas quelle est la taille de l'entreprise. Spécialiste du BTP, tertiaire industriel en région Rhône-Alpes. Ça m'inspire. Bon, je vous laisse réagir si vous avez quelque chose à rajouter, les amis. Mais c'est pas foufou quand même. Enfin, j'ai rien. Ils sont gentils, hein, ils sont sympas d'être sponsors du club, mais c'est pas des grosses marques nationales. Est-ce que la AS Saint-Etienne attire toujours? Je me souviens, on avait du Konica, Minolta, on avait des sponsors qui étaient un peu prestigieux par moment. Je parle même pas de Casino. Les quais crochets. Dreamcast, les amis, on a eu Dreamcast. Oui, on a eu Aesio il n'y a pas si longtemps. On a eu Sega, on a eu Aesio. Winamax. Oui, voilà. Winamax avec Brandao. Le maillot de la finale, Winamax, mais bien sûr. Et bon, voilà, ça vous inspire quelque chose ou pas, les amis? Ça vous inspire rien? On passe au carton rouge. Ben non, carton mais t'as raison. Après, on ne connaît pas les conditions du contrat et peut-être que c'est une société montante, donc on va être prudent, on va éviter de dire des bêtises, mais c'est vrai que moi, comme toi, je ne connaissais pas cette entreprise. Donc, on peut se dire, tiens, mais ils sortent d'où? Donc, on peut se questionner sur le montant du contrat. Et effectivement, une place forte du football français qui est Saint-Etienne, en passe de monter en Ligue 1, peut-être qu'on pouvait espérer mieux, quoi. Alors après, intérim, ils vont peut-être nous proposer des joueurs. Si on a des blessés, là, il y a peut-être un truc... Non, mais c'est mieux qu'un maillot vierge. Enfin, oui, c'est oui, mieux qu'un oui, on n'est pas le Barça. Oui, et Exaltan RH sera celui qui sera sur notre manche. Exaltan RH. On a deux nouveaux sponsors, en fait. Ouais, hein. Deux. Okay. Bon, très bien. Il y a Aurélien Vidal qui nous dit, je réponds en retard, mais l'interview de Soussou et Cotto, c'était un poisson d'avril. Je sais pas, on vérifiera, ah bon, mais si c'est le cas, c'était pas hyper drôle quand même. C'était pas drôle, et puis c'est limite. Oui, c'est très très limite vis-à-vis du joueur, parce que tout le monde a cru que c'était sérieux. Quoi. Que... Ah, si non, c'est un poisson d'avril, ah bah, ouais, on verra avec son psychiatre. On verra. Bon, les amis, allez, 5 dernières minutes, c'est nos cartons rouges, nos cartons verts. Vous connaissez la règle, vous publiez vous aussi vos cartons rouges, vos cartons verts. Oh. Vous mettez tout ce que vous voulez sur le chat, les amis. Carton vert, coup de cœur, carton rouge, ça dégage. Allez, on commence avec toi. Thomas, tu te tiens la tête d'ailleurs quand tu t'adresses la parole. Bah oui, c'est normal. Ouf, mon Thomas. Je sais pas si c'est un carton rouge ou un carton vert. Vous y mettrez la couleur que vous voulez, mais pour moi, il y a un vrai sujet à la SS. C'est le sparadrap que se met Nadé. Le Rock. Ouais. Marcel Nadé de Saïd pour sa boue. Mais je pense que le tube de sparadrap, il y passe à chaque fois. C'est un plâtre. Il se met un plâtre. Moi, je pense que ça doit lui travailler des cervicales. Vous regardez, il se protège avec un truc énorme. Et voilà. Et pour moi, à chaque fois que je le vois avec son plâtre sur le lobe, il y a un sujet, il fallait en parler. Tu sais que JPP, il mettait des escalopes de veau hein, dans ses chaussures. Non, mais hein, t'oublies pas ça. C'est incroyable ce que tu nous dis, Thomas. C'est super important, le coup du sparadrap. Je m'y attendais pas du tout.
Tu vois, ça, ça mais vous penserez, à moi demain quand vous verrez Nadé, là, vous penserez à moi avec, avec son plâtre. C'est un plâtre. Ah, mais toi, tu mets des sujets sur la table qui sont des sujets majeurs. Le sparadrap de Nadé, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Il n'y a que sur carton rouge qu'on peut parler du sparadrap de Nadé. Donc, c'est un carton, on ne sait pas en fait. C'est un carton, mais on ne sait pas s'il est vert ou rouge. Franck, est-ce que tu en as un qui est plus clair du coup? Parce que tu vois, on est mal parti avec Thomas. Non, bah, Émeric Faure sur le chat a raison, je vais faire le même que lui. Mon carton vert va aller à Olivier Dalloglio. J'ai fait une déclaration d'amour il y a un moment et je te remercie de l'avoir relayé de nouveau il y a 15 jours. C'est un type que j'aime beaucoup. C'est vraiment c'est un gars que j'aime, vraiment ce monsieur, avant d'être un entraîneur, plus son adjoint, parce que je trouve, ou ses adjoints, je ne sais pas avec combien d'adjoints il est venu, j'en vois un déjà dans ma tête. Vraiment, voilà un binôme de personnes qui sont en train de s'occuper de mon club. Ils sont au chevet de mon club depuis quelques mois. Ils font un boulot d'enfer. C'est beau. Et ouais, j'ai de l'émotion à chaque fois que je le vois, que je l'entends, que je vois qu'ils s'occupent de mon AS Saint-Etienne. C'est des émotions, Des émotions. Mais tu l'aimes bien, ton Odo. Tu l'aimes bien, ton Odo. Et permettez-moi d'être, parce que je suis né à Saint-Etienne. Oui, oui. Avec moi aussi, monsieur. Moi aussi. Oui, à terme, ça me fait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Voilà, nickel ce carton vert. Jean-Baptiste, il y a Véronique qui t'a spoilé, mais est-ce qu'elle a raison, Véronique, sur les filles? J'ai vu Véronique. Non, mais maintenant je prends des tacles. Super saison des filles. Non, je vais laisser les filles, puisque maintenant ça y est, elles sont maintenues, mais ça reste toujours le carton vert. On peut en dire un mot quand même, alors, du coup, parce que ce ne sera pas mon carton en bas, on peut quand même en dire un mot. Franchement, super saison des filles en D1 Arkema. Elles sont 7e. Il faut finir dans les 4 premières, je crois, pour jouer une Coupe d'Europe. Je ne sais plus si c'est ça. Et voilà, ils s'enflamment. Alors, on est à 25 points et les cinquièmes, c'est Fleury qui sont à 27 points. Tout est encore jouable. Hein, c'est jouable. Hein. Elles sont sur une super série. Jouable. C'est incroyable. Bravo les filles. Je vais changer. Bah oui, vas-y. Je vais être un petit peu plus. Je vais tacler. Vas-y, voilà, tacle. Je vais mettre un carton rouge. Ah. J'ai pas l'habitude de le faire souvent parce que c'est quand même une institution qu'on défend. C'est l'arbitrage, parce que Dieu sait que c'est pas facile, mais alors un carton rouge à Stéphanie Frappard, qui nous a pas arbitré, mais qui est redescendue en Ligue 2. Vous avez vu que là, elle va arbitrer un match de Ligue 2 ce week-end. Enfin, bah, bref. Mais alors, son match était catastrophique. Quelle honte pour l'arbitrage. J'ai rien. Hein. Je suis pas du tout. Je suis ni Marseillais, ni quoi que ce soit, ni Lyonnais. Mais alors, dis donc, son arbitrage est calamiteux. C'est une image déplorable de l'arbitrage français. Et l'arbitrage français en général, là, on est sur une série d'erreurs manifestes. On est sur un imbroglio au sommet de l'arbitrage français avec des licenciements, des démissions. On ne sait plus qui est le patron de l'arbitrage. Il se renvoie. Non, mais son arbitrage, c'est du grand n'importe quoi. Valenciennes a été volé. Mais Valenciennes a été volé. C'est une honte. Ouais. Ah oui. C'est quand même. Du score, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais j'ai jamais vu ça. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. J'espère qu'ils vont se faire taper en finale. En tout cas, moi, je suis parisien à fond la caisse. Hein. Là, je peux te dire que, de toute façon, par principe, quelle que soit l'équipe qui joue en phase 2, je suis pour les autres. Voilà. C'est simple. Il n'y a pas à tortiller. Non, c'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Bon les amis, il me reste, merci pour tout ça. Moi le mien, j'avais les filles dont j'avais envie de parler, donc j'ai fait aussi, Stéphanie Frappard aussi. Je voudrais peut-être terminer sur le sujet dont on ne parle pas souvent, les diffusions des matchs. Alors nous c'est plutôt beIN Sport, la Ligue 1 c'est Amazon. Je trouve qu'on a des diffuseurs qui sont plutôt bien. Voilà, j'aime bien les commentateurs, j'aime bien Robert Malm, il commente les matchs, j'aime bien moi Robert Malm, c'est un mec qui connaît le foot, il est plutôt sympa, et je trouve qu'on a des diffuseurs qui sont d'un bon niveau, et Amazon ça marche très bien aussi en Ligue 1, et on sait qu'en ce moment il y a les renégociations en cours, on ne connaît pas encore le nom du diffuseur pour les saisons à venir, c'est des négociations. On s'oriente vers beIN Sport. Hein, et l'émir du Qatar est allé à l'Elysée. Donc Emmanuel Macron dit qu'il faut sauver la Ligue 1. Ça se dirige à grands pas vers beIN Sport, qui serait un peu forcé de récupérer les 100% des lots, eux qui en voulaient entre 70 et 80. Et il semblerait, avec le désistement de DZ Sport, je savais même pas que DAZN avait dit en Wiedersehen, je ne savais pas. Il y a eu un problème parce que c'était eux qui étaient les favoris il y a deux mois encore. C'était les seuls qui avaient proposé
l'offre complète. Mais je sais pas si Canal rigole. C'est Dan Rod qui dit Canal rigole. Je sais pas s'ils rigolent parce qu'ils vont tout perdre. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même abonnés chez Canal pour le foot, malgré tout. Hein. Je sais pas. Oui, ils ont toujours la première ligue. Ça marche du C'est britannique. Alors pourquoi je prends l'allemand Pourquoi je prends l'accent allemand alors que c'est britannique Et Amazon, alors ils auraient quoi? La Ligue 2 Je sais pas. Je sais pas. Mais moi, Amazon, moi, je les aime bien, Amazon. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Peut-être que. Bravo, on file à Sebaza où Clermont Foot vient de prendre un cinquième but. Notre reporter Flavien. Clermont qui va. Ça va très mal pour Clermont. Clermont est dernier. 20 points, c'est ça, 20 points au classement. Ouais, aucun club de Ligue 1 ne s'est maintenu avec si peu de points. Ils sont en grande difficulté, Clermont Foot. C'est dommage parce qu'ils avaient fait une bonne saison l'année dernière et là, ça se goupille mal. Moins 27 au golavérage. Vous me faites perdre le fil, les amis. Juste peut-être pour terminer, maintenant, la Ligue 1, alors nous, c'est la Ligue 2 BKT. Maintenant, ce sera la McDo Ligue 1. Vous avez vu que le naming a changé. Oui, la Ligue 1 McDonald's. Et ils donnent beaucoup d'argent. Hein. Donc voilà, et le logo carton rouge. Carton rouge pour le nouveau logo de la Ligue 1. Mais c'est quoi? Ah bon, je ne l'ai pas vu. Et vous n'avez pas vu le logo affreux de la Ligue 1? C'est pas vrai. C'est Ronald qui fait. Non, c'est Ronald. Il est bien. C'est un logo, mais c'est monstrueusement laid. Allez, regardez. Ah ben, j'irai voir. Ce sera le mot de la fin, les amis. Bon, likez la vidéo, hein, 200 likes, hein. C'était petit like. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont déjà au stade, les gars. Mais oui, ils sont déjà au stade. Ils sont déjà au stade, voilà. Bon, les amis, oui, Clermont va à Paris ce week-end. Bah, ils vont en prendre 5, c'est tout. Hein. Aïe. Thomas, tu peux nous faire un petit coup de Parc des Princes, là, du coup? C'est Paris-Clermont, Parc des Princes. Et on va au Parc des Princes avec Flavien Neuvy. Clermont Foot vient de prendre un 7e but. Oui, Kylian Mbappé qui vient de marquer son 4e but de la soirée. Tout à fait, Franck. Et vraiment, là, les Clermontois sont en grande difficulté. Ah oui. Je pense qu'ils vont. Ligue 1 McDonald's, je viens de le voir. Ligue 1 McDonald's. Oh là là là. T'as vu le logo? Bah, c'est deux parenthèses, là, deux crochets jaunes, c'est ça? Oui, c'est non, ça. Non, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai, ils ont pas fait ça. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Faut regarder le logo. Mais va regarder. Oh là là. Oh là là, oui. C'est-à-dire qu'ils ont mis le M dessous, c'est ça, On passe de ça à ça. Alors, je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit rien. Non, on ne voit rien. Alors, on ne voit rien. Bon, bah, vous allez regarder. Bah, c'est un vulgaire 1 bleu. C'est ignoble. C'est horrible. Ça ne ressemble à rien. D'accord. C'est pas grave. Il faut qu'on remonte quand même. Hein. Oui, on remonte. Moi, j'irai bouffer un Big Mac, hein, je vous garantis, si jamais il n'y a pas de problème. S'il faut bouffer des Big Mac pour qu'on remonte, on les bouffera. Hein. Après, on n'en montrera pas trop. Check vanille, Thomas, on ira se faire. Bon, les mecs, on s'égare, ça y est, on est perdu, on est parti. Merci beaucoup, les amis, merci à tous ceux qui étaient présents, merci beaucoup. Bon match à tous ceux qui vont au stade demain, vous êtes très nombreux à aller au match demain. Franck, bon match à toi. Tu penses à nous, tu pousses pour nous, t'es dans quelle tribune, Franck? Je pousse. Je suis Henri Point, toujours classique. Moi, Henri Point. Bon, et je me suis mis encore plus haut. D'accord. Tu verras mieux. Bon. Voilà la tactique dodo. Si vous voyez Franck, allez lui claquer une bise, ça lui fera plaisir. Oui, venez. Voilà, venez. Et Il est sympa. Il ne parle pas comme ça, mais il est sympa. Les amis, bon, allez. On se retrouvera donc pour l'avant-match, pour le live demain, je comprendrai, à 14h30. Je sais pas si tu seras là, JB, pendant le live avec moi ou pas. Si alors, je serai là, mais je serai pas là. Enfin, je serai là, dans un coin. Donc, t'inquiète pas, les buts seront là toujours. Et toi, Un peu des verts, carton rouge. C'est... Très bien. Et toi, Thomas, tu seras là ou pas sur le chat? Bien sûr, je serai devant Bean Spin avec le son de carton rouge TV, bien sûr. Bon, super. Il faut juste que tu penses bien à faire un clap pour pouvoir se mettre synchro. Il y a toujours 20 à 30 secondes de décalage. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Émeric, qui nous dit merci à tous. Super émission. Écoute, on s'amuse, on se prend pas au sérieux. On parle de notre club de cœur. Et on passe un bon moment. Merci à tous. Merci Franck. Merci Thomas. Merci Jean-Baptiste. Info des Verts, la page Facebook, les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouvera donc pour la suite des opérations. On se refera des mags. Hein. Bien sûr. On a rigolé ce soir. Juste un truc. On a 8 journées, les gars. On est à 8 journées du bout. Et il faut en faire toutes les 2 journées. Les gars, non mais si jamais on a un match qui est important du style QRM Saint-Etienne le dernier ou qui pourrait être décisif. Imaginons studio. Soit on va au studio, soit on va directement à Rouen. Hein. On met le feu à Rouen. Ça sera. On prend Rouen d'assaut. Hein. On peut imaginer des trucs, hein, les gars. Je dis rien. Et les deux. On peut s'imaginer à Rouen et on peut aussi s'imaginer au studio à Berne. On peut aller au studio. Il n'y a pas de souci. Dans lequel nous craquerons un fumier dans le studio si nous montons en Ligue 1. Bon, ça promet, les amis. Allez, les amis. Bon, merci beaucoup. Bonsoir, Pascal Arnaud. Merci à tous d'être venus nous faire un petit coucou. Et donc, on se retrouve demain, on espère, avec une victoire. Et merci à toi, Flavien. Merci Flavien. À vous, les gars. C'est pour tout ce que tu fais. Merci. C'est que du plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et les gars, on le fait ensemble. 3, 2, 1 et...
Allez les Verts. Allez les Verts. Ciao, ciao. Bonne soirée. L'aspirateur, Flavio. L'aspirateur. À bientôt. Ciao, ciao.